Lundi 20 novembre 2023, la librairie Ombre Blanche accueillait lors d'une rencontre exceptionnelle l'écrivaine et activiste russe anti-guerre, anti-Poutine, Daria Serenko, autour de son livre « Les filles et les institutions » paru aux éditions Sans Pis Date, traduit en français par Sylvia Chassin. La conversation était animée par Natacha Laurent, historienne contemporanéiste à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. La traduction était assurée par Olga Kataeva. Bonsoir à toutes et à tous. Le musée de la Résistance nous a fait la surprise d'apporter la coiffe que Daria avait offerte au musée de la Résistance et qui est le symbole de cette résistance féministe anti-guerre que Daria incarne. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette soirée tout à fait exceptionnelle. Le retour, Daria Serenko, le retour à Toulouse, puisqu'elle était venue déjà en mars dernier, mais cette fois-ci, elle vient avec un livre. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Antoine Nicole, qui est son éditeur, puisque c'est donc Antoine qui a eu le courage de traduire ce livre et qui a eu le flair aussi, peut-être, de traduire ce livre. Donc, deux mots, Antoine, pour te permettre de présenter Sans Pis Date, de dire quelques mots de Daria, et ensuite, on reprendra le micro. Très bien, merci beaucoup, bonsoir à tous et merci d'être là si nombreux, ça fait plaisir. Effectivement, donc j'interviens très rapidement en tant qu'éditeur du livre, pas en tant que traducteur, c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est Sylvia Chassin, enseignante à l'INALCO à Paris, en russe. Je vais peut-être commencer par présenter un petit peu Daria, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu à Toulouse et d'autres non. Donc Daria, c'est une activiste politique, féministe, anti-guerre, russe qui est émigrée en Géorgie depuis le printemps 2022, donc depuis quelques semaines après le début de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Donc elle a dû fuir le pays assez rapidement à la suite de pressions assez importantes à son endroit, pressions policières, enfermement par la police et divulgation de ses informations personnelles. Daria était déjà intervenue à Toulouse en mars, oui, il y a quelques mois, en tant qu'activiste, surtout politique. Donc on a le plaisir de la faire revenir cette fois-ci en tant qu'écrivaine. C'est la première fois qu'on a l'occasion de la présenter sous cet angle en France, et Daria Serenko est une des voix importantes de la jeune littérature russophone aujourd'hui. Donc on a le plaisir de publier son premier livre en français, « Les filles et les institutions ». Merci et bonne soirée. Voilà, j'avais aussi donc présenté et remercié par avance Olga Kataeva, ma collègue du département d'études slaves de l'Université de Toulouse, qui va assurer la traduction russe-français et français-russe, qui sera beaucoup plus compétente que moi et ça sera plus confortable pour tout le monde. Voilà, donc merci beaucoup Olga, par merci avance. Merci à vous. Daria, tu voulais dire quelques mots avant pour te présenter, avant alors, vous dire les choses. Daria tient absolument à ce qu'on lise quelques extraits de son texte avant d'en parler. Donc vous allez entendre sa voix en russe et puis la traduction que je lirai. Et elle veut avant ça dire quelques mots pour présenter son livre. Спасибо большое и спасибо всем, кто причастен к тому, чтобы это мероприятие сегодня состоялось. И спасибо, что вас так merci много. Beaucoup. Честно говоря, merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont rassemblés ici, aussi nombreux. Je m'y attendais pas. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec nous. Я бы сначала хотела сказать, чему я стараюсь посвящать каждое мероприятие со своим участием. Потому что любая культурная жизнь для россиянки после Tout d'abord, je voudrais dire que la vie après 2022 a beaucoup changé pour tous les Russes. Да, что невозможно без политики. On ne peut pas se passer de la politique à chacun des événements de nos jours. И на каждом мероприятии я стараюсь собирать донаты в пользу каких-либо политических. Et à chaque événement, je m'efforce à rassembler des donations pour les prisonniers, pour ceux qui sont en prison de nos jours, pour les soutenir. Чтобы от меня была какая-то польза.
pour pouvoir apporter quelque chose de bien à ces personnes. И сегодняшнее мероприятие я хочу посвятить политическим заключенным. Et je voudrais dédier notre événement aujourd'hui à sept prisonniers, à sept anarchistes qui se trouvent actuellement dans la prison de la ville de Tumène parce que ils ont organisé des manifestations contre le pouvoir actuel. Им грозит более 10 лет лишения свободы. La Fédération de Russie les appelle les terroristes. La peine qu'ils risquent d'encourir est de 10 ans. Si quelqu'un, après l'événement, voudrait participer à soutenir ces personnes-là, après l'événement, vous pourriez venir me voir et je rendrai cet argent-là. L'argent recueilli servira pour payer l'avocat, les services de l'avocat. Et après, je rendrai des comptes sur ce qui sera fait. Il faut dire que ces personnes-là ne font pas partie de ceux qui peuvent être appelés populaires dans les milieux russes actuellement, parce que ce sont des gens qui sont considérés comme anarchistes, parce qu'ils ont incendié des points de rassemblement des jeunes pour partir sur le front de guerre. Et il est très compliqué de rassembler de l'argent pour soutenir ces personnes-là. La petite boîte se trouve à droite. И теперь пару слов о книге, и мы приступим. Et quelques mots maintenant sur le livre et on commence. Моя книга «Девочки и институции» вышла. Mon livre «Les filles et les institutions» est sorti deux mois avant le début de la guerre en Ukraine en 2022. И она посвящена. Et c'est une histoire sur la période de ma vie où j'ai travaillé dans un département public dans les institutions culturelles russes. C'était en particulier donc des bibliothèques, des galeries, des musées et des universités. Et après, j'ai été licenciée. J'ai été licenciée pour l'activisme. Que je pratiquais certes dans mon temps libre. И все эти годы, пока я работала на департамент культуры, то есть я находилась в недрах государственной машины, и могла видеть, как она работает. И я могла видеть, как она работает. И на самом деле много таких молодых женщин, как я, мы работали в этих системах, в государственном секторе, и мы надеялись что-то изнутри. И в начале мы надеялись что-то изменить изнутри. Мы надеялись, но многие из нас изнутри бороться с пропагандой. Et nous espérions donc imposer nos représentations sur ce qui est beau et sur la justice. Et des fois, on a réussi. Et c'était un questionnement perpétuel. Est-ce que c'est le système qui va nous changer ou est-ce que nous allons changer le système? Et en réalité, c'est le système qui a changé beaucoup d'entre nous. И сейчас уже после полномасштабного вторжения России в Украину, во многих институциях, dans beaucoup d'institutions dans lesquelles j'ai pu travailler après le début de la guerre à grande échelle en Ukraine, dans ces institutions-là donc ont été ouverts des points de mobilisation des jeunes. То есть представляете, в моем Imaginez dans un beau musée où moi j'ai mis tout mon âme, tout mon cœur pour y travailler. Maintenant, on appelle les jeunes pour aller en guerre. Et beaucoup de mes collègues femmes, beaucoup de mes collègues hommes ont été licenciés parce qu'ils ont manifesté contre la guerre. Et beaucoup sont partis comme moi-même. J'ai travaillé surtout dans les équipes féminines et l'aspect de genre de ce livre est très important. Parce que nous, avec les filles, on s'appelait toujours par ce nom fille, девочка, petite fille, indépendamment de notre âge. On a fini par représenter un corps unique. Ну и мы были вот этим телом, которое обеспечивала жизнью госмашину, то есть мы ее собой. Et nous étions cette force vitale qui a fait marcher cette grosse machine étatique. И в этом было много абсурда и много страшных вещей, много смешных вещей. Beaucoup de situations drôles, comiques et absurdes. И тогда уже поговорим. Et maintenant donc on pourra lire des extraits du livre et en parler par la suite. Все-таки один текст я прочитаю на русском. Несмотря на то, что большая часть аудитории франкоязычная, je vais lire un extrait de mon livre en russe pour vous faire sentir le rythme et la musique de la langue. Et ensuite, Natacha a accepté de présenter quelques autres extraits. Да, то есть сейчас читаю для русскоязычных.
Donc je lis pour les russophones. Новая рабочая неделя началась с двух событий. Во-первых, к нам в офис привезли фотографию ВВ Путина в рамке. Во-вторых, всем девочкам на почту пришло письмо с пометкой «Срочно». В срочном порядке просим всех сотрудниц прекрасного пола проверить свои социальные сети Facebook, Instagram и ВКонтакте на предмет наличия фотографий ненадлежащего содержания, а именно обнаженных фотографий, фотографий в нижнем белье, фотографий в платьях экстремальной длины и с открытым декольте, фотографий, где сотрудницей употребляется алкоголь. Просим отнестись с пониманием и проявить уважение к своей профессиональной репутации и репутации вашего работодателя. Также просим удалить вышеуказанные фото до 15:00 следующего дня. Пока я стояла с фотографией в руках и пыталась понять, что именно с ней нужно делать, девочки перечитывали письмо вслух друг другу. Новое письмо не заставило себя долго ждать. Срочно, до 13:00, просим в ответном письме предоставить фотоотчет, что выделенная на каждое учреждение фотография Путина ВВ в рамке размножена и повешена в каждом офисном помещении, доступном для граждан, согласно утвержденному плану помещения. Пока девочки совещались, на каких фотографиях их декольте не наносят репутационного ущерба нашей организации, я решила заняться вторым письмом. Итак, дано. Одна цветная фотография одного одетого мужчины, одна стеклянная рамка и 7 помещений, доступных для граждан. Я вынула фото и направилась к копировальному аппарату. Цветной картридж нам не поставляли уже несколько месяцев, поэтому в моих руках оказалось 6 черно-белых копий Путина ВВ. Оставалось развесить их по оставшимся помещениям. Вместо рамок я вложила ЧБ-копии в прозрачные файлы и прилепила скотчем к стене на самые видные места комнат. Получилось лаконично и скорбно. Я запечатлела результат на камеру телефона и отправила за 10 минут до 13:00. Через час я обнаружила, что отправила не 7 фотографий, как должна была, а 8. 8 фотографии было мое голое селфи, сделанное на день раньше в зеркале ванной комнаты. Внутри меня все стало одновременно горячим и холодным. Я начала ждать звонка, но звонка в тот день так и не последовало. Alors, je vais vous lire la très belle traduction de Sylvia Chassin, parce que le livre est magnifiquement traduit. Ce n'est pas évident du tout de traduire ce russe qui est extrêmement nerveux. C'est une langue très nerveuse, très dynamique, qui mêle à la fois de l'autofiction et en même temps des textes qui arrivent de l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est un bon exemple, parce que vous allez voir justement comment tout ça se sort de carambolage entre des univers de langues différents. Le livre est assez court et en fait, c'est des vignettes indépendantes les unes des autres que vous pouvez lire et qui sont autant de fenêtres ouvertes sur cette Russie poutinienne qui devient absurde, violente et à certains moments complètement comique. Voilà le texte que Daria vient de lire. Le début de la semaine de travail suivante fut marqué par deux événements. Premièrement, on nous apporta au bureau un portrait encadré de Vladimir Poutine. Deuxièmement, toutes les filles reçurent un mail marqué comme « urgent ». On ouvre les guillemets. Toutes les employées du beau sexe sont priées de passer en revue de toute urgence leur activité sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et ВКонтакте. ВКонтакте, c'est un réseau social russe à peu près du même genre que Facebook. Pour le cas où il y aurait été publié des photographies inappropriées et en particulier, deux points, de nus, de photographies en sous-vêtements, de photographies en robe excessivement courte ou décolletée, de photographies où l'employé et eux consomment de l'alcool. Nous vous prions de faire preuve de compréhension et de veiller à respecter votre réputation professionnelle et la réputation de votre employeur. Nous vous demandons également de supprimer ces photographies avant demain 15h. Fermez les guillemets. Alors que, le portrait dans les mains, j'essayais de comprendre ce que je devais en faire exactement, les filles se relisaient le mail à voix haute. Le deuxième mail ne s'est pas fait attendre longtemps. Ouvrez les guillemets. Nous vous prions de nous faire parvenir urgemment, avant 13h, et par retour de mail, des photographies attestant du fait que la photographie de V. Poutine, destinée à chaque service, a bien été reproduite et accrochée dans chaque bureau accessible au public selon le plan réglementaire de la pièce. Fermez les guillemets. Pendant que les filles délibéraient, pour savoir sur quelle photographie leur décolleté ne constituait pas une atteinte à la réputation de notre institution,
je résolus de m'occuper du second mail. Donc, nous disposons de une photographie couleur d'un homme habillé, un cadre en verre et 7 pièces ouvertes au public. Je sortis la photographie de son enveloppe et me dirigeai vers la photocopieuse. Cela faisait plusieurs mois qu'on ne nous livrait pas la cartouche couleur. Je me retrouvais donc avec 6 copies en noir et blanc de Vladimir Poutine. Il ne restait plus qu'à les accrocher dans les pièces qui restaient. À défaut de cadre, je mis les portraits dans des pochettes transparentes que je collais au mur avec du scotch, là où elles seraient le plus visibles. Tout ça avait l'air sommaire et lugubre. Je pris en photo le résultat avec mon téléphone et je l'envoyais 10 minutes avant 13h. Une heure plus tard, je remarquai que j'avais envoyé non pas 7 photos, mais 8, et que la 8e photo était un selfie de moi nu, fait la veille dans le miroir de la salle de bain. Tout en moi se fit simultanément brûlant et glacial. Je me mis à attendre le coup de fil, mais il n'y eut pas de coup de fil ce jour-là. Voilà, c'est un exemple de cette écriture nerveuse et de moments de vie, en fait. C'est des moments de la vie de Daria, tels qu'elle l'a vécu dans les institutions. Ну, не совсем так, потому что это все-таки автофикшн, это все-таки литература. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce n'est pas seulement mon histoire, ce n'est pas seulement de l'autofiction, c'est l'histoire aussi de plusieurs autres femmes qui travaillaient côte à côte avec moi. Quand j'ai écouté Natalia lire cet extrait, je me suis rendu compte d'un effet à double face de ce livre. Lu à voix basse, c'est un livre plutôt tragique, tandis que lu à voix haute, le livre devient comique. Et c'est exactement comme cela qu'on se sentait la veille de l'escalation de la dictature en Russie. Daria me demande de lire un autre moment. Où que nous allions travailler, les filles et moi devenions les gardiennes du livre d'or, dans lequel étaient consignés avis, réclamations et propositions. Dans toute institution, petite ou grande, il y a un livre d'or, poussiéreux, brillant, posé au même endroit depuis des temps immémoriaux. Les visiteurs l'exigent quand l'agent d'accueil s'est absenté aux toilettes pour 5 minutes. On l'exige après le buffet pour y laisser un baiser gras en souvenir. On l'exige pour y exprimer l'inexprimable. Le personnel ne regarde pas les clients dans les yeux pendant le service. Faites quelque chose, 21 avril 2019. J'ai beaucoup aimé l'exposition et surtout la guide. Je vous souhaite plus de jolis employés comme elle, Pache, 18 mai 2019. Ça donne envie de fusiller tous ceux qui considèrent que c'est de l'art. Enthousiaste 88, 2 juillet 2019. Et c'est pour des trucs comme ça qu'on dépense l'argent public ? Une honte, mes amis. 7 août 2019. Je suis venue voir votre exposition avec ma fille. Nous voulions voir ce que c'était que votre art contemporain. Nous avons vu, ça nous a plu. Merci. 13 août 2019. Nous remercions chaleureusement l'équipe de la galerie pour son attention et son accueil, les enseignants de l'école numéro 1582. Je suis passée par ici, à Cab. Vos employés sont vraiment très jeunes. Ça se voit qu'il manque ici une solide présence masculine. Anton Mikhailovitch, 10 septembre 2019. Il n'y avait plus d'eau dans la fontaine à eau. Quand j'en ai demandé, on ne m'a servi que de l'eau du robinet, avec des excuses d'une qualité analogue. T. N. Nikiforova, 30 septembre 2019. Avec les filles, nous ouvrions ce livre quand nous nous sentions vraiment seuls au monde. Nous le feuilletions comme un manuscrit ancien. La vie nous avait fait croiser tous ces gens, leurs langues, leurs intonations et leurs intentions. Nous ne nous souvenions de rien à leurs propos et eux n'avaient très probablement pas retenu nos visages. Mais pour une raison inconnue, nous étions avec eux dans cette salle et nous essayions ensemble de faire face à la réalité dans laquelle nous nous trouvions. Épuisés par la paperasse et par l'attente anxieuse de l'avance sur salaire prévue pour le lendemain, nous expliquions avec un sourire pourquoi il ne fallait pas nous fusiller pour l'instant. Et le plus souvent, les gens baissaient les armes. Voilà un autre texte du rapport au public, n'est-ce pas ? Un dernier texte qui sera d'abord lu en russe et ensuite en français. Donc il y a des mots qui sont des gros mots russes et c'est pour ça que j'ai envie de le lire à voix haute. Je précise que Daria m'a demandé si c'était possible, je lui ai dit oui, bien sûr que c'est possible, il n'y a pas de problème. Parce que dans les institutions russes, ça ne serait pas possible, donc je profite de l'occasion. Однажды на девочек написали жалобу.
А потом еще жалобу. А потом еще одну жалобу. Жалобу направили одновременно в Департамент культуры, прокуратуру и Следственный комитет. Согласно жалобе посетителя Мединского РВ, литераторы, выступавшие во время одного из девочковых мероприятий, решили оскорбить храм русской культуры, когда зачитали вслух несколько стихотворений, в которых присутствовал русский мат. Изучив уведомление о жалобе, мы с девочками сели сочинять коллективную объяснительную. Объяснительная. Мы, сотрудницы ГБУ, ГБУК города Москвы, не преследовали цели допустить оскорбления как храма русской культуры, так и гражданина Мединского РВ. К сожалению, мы не имели прямого доступа к сознанию выступавших у нас литераторов, и именно поэтому никак не смогли спрогнозировать появление на мероприятии таких слов, как «пизда», «охуели», «ебанулись» и всех им однокоренных. Мат может быть средством художественной выразительности и не преследовать цели оскорбить кого-либо. Оскорблением и нарушением регламента проведения публичного мероприятия было бы, если бы мы встали со своих мест и произнесли «нахуй департамент культуры», «нахуй прокуратуру», «нахуй следственный комитет», «нахуй гражданина Мединского РВ». Подобные формулировки действительно могут считываться как оскорбительные, хотя все еще не посягают на целостность храма русской культуры. С уважением, дата, подпись. Я до сих пор представляю, как мы рассылаем всем этот текст, а потом встаем и уходим, хлопнув дверью. Но, к сожалению, написала я его только что, а в реальности нас в тот месяц лишили премии. Une fois une plainte a été déposée contre les filles. Et puis encore une plainte. Et puis encore une. Les réclamations ont été envoyées simultanément au service culturel, au bureau du procureur et au comité d'enquête. À en croire la plainte de M. Midinski, visiteur, les écrivains invités par les filles pour un de leurs événements avaient entrepris d'insulter le temple de la culture russe en lisant à voix haute quelques poèmes contenant des gros mots. Alors il y a une petite note de la traductrice qui explique que gros mots, c'est très difficile de traduire ce qu'on appelle mat en russe parce que c'est un argot mais qui est très connoté. Après avoir pris connaissance de la plainte, les filles et moi nous sommes mises à la rédaction d'une lettre d'excuse collective. Lettre d'excuse. Nous, les employés du VGUK de la ville de Moscou, n'avions pas pour but de permettre que soit insulté le temple de la culture russe et le citoyen Hervé Midinski. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès directement aux pensées des écrivains qui sont intervenus dans notre institution. C'est pourquoi nous n'avons pas pu prévoir que seraient prononcés pendant l'événement des mots et expressions tels que « chatte », « sur le cul », « déconner » et autres termes issus des mêmes racines. Les gros mots peuvent être une forme d'expression artistique et ne pas avoir pour but d'insulter qui que ce soit. Il y aurait eu insulte et infraction aux règles régissant l'organisation d'un événement public si nous nous étions levés de nos chaises pour dire « service culture, va te faire foutre. Procureur, va te faire foutre. Comité d'enquête, va te faire foutre. Citoyen Hervé Midinski, va te faire foutre. » De telles formules peuvent en effet être considérées comme des insultes, même si elles ne portent toujours pas atteinte au temple de la culture russe. Respectueusement, date, signature. Aujourd'hui encore, je m'imagine que nous envoyons ce texte à tout le monde pour ensuite nous lever et partir en claquant la porte. Mais malheureusement, je viens seulement de l'écrire. Et dans les faits, nous avons été privés de prime ce mois-là. Alors, donc c'était une forme d'introduction, c'est pour vous donner aussi le goût en fait, de ce style, de cette écriture très nerveuse. Hein. Et puis je vais poser quelques questions à Daria, mais ensuite la parole sera à vous. Vous écoutez Daria Serenko en conversation avec Natacha Laurent à la librairie Ombre Blanche le 20 novembre 2023. À l'occasion de la parution de son livre en français, Les filles et les institutions. Putting his pants on, one leg at a time. Me is just like a regular fella. He ain't nothing like a regular fella. Putting his hat on, hat size number 9. You say Putin's getting big headed. Putin's head's just fine. He can drive his giant track across the Trans-Siberian Plain. He can power a nuclear reactor with the left side of his brain. And when he take his shirt off, he drive a lady's crazy. When he take his shirt off, make me wanna be a lady.
Moi, je voulais revenir sur les dessins, parce qu'en fait, il y a une dizaine de dessins qui accompagnent la lecture, et notamment cette couverture, qui est le dessin original de la couverture originale russe, qui, moi, m'a beaucoup intriguée, Antoine, quand j'ai vu cette couverture. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et en fait, il y a quelque chose de très important dans le livre, c'est la puissance du collectif. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, Daria, tu montres à quel point le collectif, à la fois, vous protège, et en même temps, vous dévore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, en tant qu'écrivaine, seule, comment est-ce que tu arrives justement à sortir à la fois de ce collectif et en même temps, tu as expliqué tout à l'heure que ton écriture était nourrie, justement, que tu représentais le collectif. Merci pour la question, très bonne question. Je, честно говоря, mal à об этом думаю, потому что... À vrai dire, j'ai très peu réfléchi parce que ces derniers temps, je suis plutôt activiste qu'écrivaine. Activisme, это всегда коллективная работа. Et l'activisme, c'est toujours du travail collectif et horizontal. Получается, что я у меня было две formes. Donc j'ai vécu deux formes de collectif, une forme dans les institutions étatiques et une autre forme dans les organisations activistes horizontales. То есть с одной стороны репрессивная. D'une part, c'était une collectivité dictatoriale et d'autre part, une activité émancipatrice. И поэтому в своей писательской работе я избегаю всяческой коллективности вообще. То есть я очень dans mon travail d'écrivaine, j'évite toute forme de collectivité. Je me recentre sur moi-même pour ne pas devenir folle. Et je voudrais me sentir en tant que sujet écrivant. Plus, в России достаточно долгое время было абсолютно не в почете феминистское письмо. D'autant plus qu'en Russie, l'écriture féministe n'a jamais été à l'honneur et donc on n'était pas intégré dans les structures d'écrivains. Et donc, on était obligés d'inventer, de mettre en place nos propres institutions qui n'ont pas eu le temps de prendre force, puisque l'intervention a commencé par la suite. Donc, l'intervention militaire a commencé et des accusations ont commencé. C'est pour ça que nous avons toutes arrêté d'écrire et nous sommes passés à autre chose. Alors, une autre question, parce que le livre est préfacé par Laura Poggioli, qui fait un rapprochement entre ton écriture, Daria, et quelques grandes plumes féminines russes. Elle cite Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, Evgenia Ginzburg, Nina Berberova. Et moi, en lisant ton livre, j'ai pensé à quelqu'un qui, je pense, a été traduit, enfin, je suis même certaine, a été traduit en français, mais qui est beaucoup moins connu. Un livre d'un même genre de format, d'une femme soviétique, c'est un texte qui date des années 70, de Natalia Baranska, qui s'appelle « Une semaine comme une autre », et qui est une écriture à la fois qui se soucie du détail comme la tienne, et qui se soucie du quotidien d'une femme. Est-ce que cette référence, est-ce que pour toi, il y a une filiation entre ton écriture et Natalia Baranskaya. Да, это замечательно, что ты это заметила, потому что в российском контексте почему-то, когда пишут про мою книжку, никто не вспоминает про текст Натальи Баранской, а я-то как феминистка про него вспоминаю, потому что C'est formidable que tu as pu remarquer cette ressemblance entre mon livre et celui de Natalia Baranskaya. C'est remarquable parce que cette filiation, on n'y pense pas. De manière générale, personne n'y pense. Mais moi et nous, en tant que féministes, нous y pensons très souvent. Et c'est très important pour moi, ce lien et ce fil. Et certainement, ce livre a eu un impact pour moi. Cela m'a rajouté une sorte de lentille féministe. Une autre question que je voulais poser et qui va nous ramener vers la politique, puisqu'on ne peut pas y échapper, c'est la présence dans ton livre du passé soviétique. À travers des symboles, à un moment il y a une question d'un drapeau, on ne trouve pas drapeau de la Fédération de Russie, donc on attrape le drapeau de l'Union soviétique et on se rend compte que ça fonctionne très bien. Il y a bien sûr toutes les manifestations qu'on vous demande d'organiser à l'occasion du 9 mai. Est-ce que donc, en tant qu'ancienne fonctionnaire de la culture, ancienne employée de la culture, le passé soviétique, comment est-ce que toi, tu le vois justement dans ton activité, dans cette activité ? Où est-ce qu'était la part soviétique, si tu arrives à l'identifier ? Merci pour la question. Je pense que je vais dire merci pour toutes les questions. Alors, la première chose, c'est de comprendre pourquoi ces atavismes ont été si importants pour nous dans notre vie. Это много говорит о том, из каких
нарратива. Cela nous explique beaucoup comment a été tissée la narration de la dictature poutinienne. C'est une construction monstrueuse. D'une part, c'était des survivances soviétiques, mais d'autre part, il ne fallait pas oublier Dieu non plus. Et donc ce système de coordonnées, d'une manière paradoxale, devait cohabiter, donc Frankenstein. Surtout parce qu'il fallait retenir des parties d'électorat tellement différents. Et donc le fascisme poutinien exploite en même temps les narratifs soviétiques aussi bien que la religion. Ну и параллельно еще и какие-то они рожутам, en même temps, le narratif technologique, les technologies modernes qu'on va voir apparaître dans l'avenir. То есть это какой-то киберпанк. On voit une image de cyberpunk, si on peut le dire. И это как бы система координат, которую насаждают, в том числе насаждают в институциях, она в какой-то момент начинает даже вот у меня она начала. Et donc ce système de coordonnées qui nous est imposé de la part des institutions commence à détruire tous les systèmes de cause à effet qui existent dans ce monde. Это очень сложно объяснить вот человеку извне, как il est très compliqué d'expliquer à une personne qui ne le vit pas de l'intérieur comment fonctionne, comment est structurée une dictature, mais on pourrait dire que cela fonctionne comme une secte. В том плане, что важно повлиять dans le sens qu'il faut impacter tes liens avec la réalité, il faut rompre les liens avec la réalité. Твой контакт с реальностью. Ton contact avec la réalité. Потому что тогда parce que c'est à ce moment-là que vous serez facilement manipulable. И тебя будет легко изолировать. Et tu pourras être aussi, on pourra être aussi facilement isolé. И иногда вот я приезжала, например, к своим родителям там раз в год quand домой. J'allais de temps en temps voir mes parents qui étaient restés face à face avec la télévision et la propagande poutinienne et j'avais compris à ce moment-là que c'était très compliqué de briser cette influence. И это на самом деле очень страшно. Cela fait vraiment peur. И вот в моей книжке на самом деле очень много, я не знаю, чувствуется ли это dans mon livre, je ne sais pas si cela se ressent dans la traduction en français, mais il y a beaucoup de jargon, le langage administratif, le langage de la paperasse. Это тот язык, на котором мы разговаривали. Et c'est justement ce langage qu'on parlait à l'intérieur de nos institutions. Ну, по крайней мере, когда были трезвыми. Oh, au moins quand on n'était pas ivre. Это было не всегда. C'était pas toujours le cas. On va passer peut-être aux questions. Donc la parole est à vous si vous voulez poser des questions plus générales ou plus précises sur le livre ou sur la trajectoire et les actions de Daria. Ah oui, bonjour. J'ai une question plus pratique. Hein. Comment vous arrivez de sortir de la Russie? Je suis partie presque au lendemain de ma libération après l'emprisonnement. Donc je suis restée en prison jusqu'au 23 février. Et le 24 février, l'opération militaire a commencé. Donc nous avons commencé à monter le mouvement de résistance anti-guerre. В России есть такая практика, что et тебя. Et moi, donc, quand je regardais par la fenêtre de mon appartement, je voyais en bas, à l'entrée de l'immeuble, la voiture policière qui m'attendait. Et je comprenais que si je descendais, j'allais être arrêtée pour une deuxième fois. Ça s'appelle, dans les termes, dans le jargon policier, la carrousel. Да, звучит. Ну, на деле это не так весело, конечно, как. Ce n'est pas aussi joyeux que ce nom qu'on lui donne. Donc, j'ai été déportée clandestinement. Mon billet a été acheté au nom d'une autre personne. Nous n'avions pas de compréhension claire à ce moment-là si j'ai été vraiment menacée ou pas. Mais comme on le sait, les répressions, c'est random. C'est un choix au hasard. Il y a eu beaucoup d'activistes à qui on a laissé ce droit de partir. Ceux qui n'ont pas eu ce droit de partir, ils ont été arrêtés et emprisonnés. Et nous, donc, maintenant, les activistes qui ont pu partir, nous essayons d'aider ceux qui sont restés là-bas et qui doivent être encore évacués. Je voulais vous remercier d'abord pour ce livre
votre humour, votre courage. Et je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec l'illustratrice. Est-ce que vous la connaissez bien? Est-ce qu'elle est en exil? Alors, c'est une illustratrice formidable qui s'appelle Ksenia Cherevo. Я всем рекомендую потом купить книгу и посмотреть иллюстрации. Je conseille, je recommande à tout le monde après d'acquérir le livre et de regarder ses illustrations. Художница до сих пор находится в России. Иллюстратрица se trouve toujours en Russie. И интересно и важно, что она тоже. Ce qui est intéressant et important de remarquer que elle-même, elle est employée de ces mêmes institutions. То есть днем она работала в галерее. C'est-à-dire le jour, elle travaillait dans une galerie et la nuit, elle faisait les illustrations pour mon livre. Но техническое задание на иллюстрации Mais давала я сама. Mais c'est moi-même qui a donné le cahier des charges pour les illustrations. И я помню, что там были какие-то такие слова. Je lui disais à peu près ça. Ксюша, салют, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dessiner un cœur grec avec des éléments de cyberpunk? Ну, то есть, да, cyberpunk. Je pense que ça doit être une image importante comme il arrive pour une deuxième fois aujourd'hui le cyberpunk. D'autres questions? Ou réaction simplement, à la fois sur le livre et puis sur les différentes actions menées par Daria, puisqu'elle est cofondatrice de la résistance féministe anti-guerre. Je crois que vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais je me demandais comment la culture est utilisée par la propagande de Poutine, vu que vous avez travaillé dans ces institutions. Da. Мы недавно даже у нас среди активисток нашего антивоенного движения есть parmi nos activistes, donc il y a des personnes qui continuent à travailler en Russie. И они делают даже всякие анонимные ils mènent même des enquêtes anonymes, des enquêtes journalistiques. Например, недавно мы узнали, что департамент культуры и какие-то Et donc on a appris il n'y a pas longtemps que selon la commande du ministère de la Culture, on a demandé à deux architectes pro-poutiniennes d'élaborer un nouveau style d'architecture pro-dictatorielle. Chaque dictateur doit disposer de son style architectural à part. Staline, par exemple, il y a bien eu son style architectural à lui, donc pourquoi pas Poutine? On est prêt à avoir un budget assez considérable pour ces objectifs-là. Il existe également un article de dépenses, ça a existé même avant l'intervention, et maintenant cet article de dépenses est beaucoup plus élevé. Cela s'appelle donc des besoins patriotiques. Et cela provoque chez moi une vraie colère, parce que c'est justement cela qu'on impose aux enfants. Il existe un cours à l'école qui s'appelle les conversations sur des questions importantes. Dans le cadre de ces cours, et oui, on a pris le temps de lire attentivement la documentation de ces cours-là, il est préconisé de présenter aux enfants que l'Ukraine fait partie de la Russie, que les territoires en question ne sont pas les territoires occupés. Il existe aussi, heureusement, des jeunes enseignants qui essayent de contourner par tous les moyens possibles ces consignes. De présenter aux enfants autre chose et je leur suis sincèrement reconnaissante. Et donc il faut faire très attention, il faut travailler avec beaucoup de précautions parce que autrement ces personnes-là peuvent être licenciées et après, une fois licenciées, ils font partie de ces listes noires. Donc ils sont marqués pacifistes. Et interdite d'accès à l'école à nouveau. Une directrice d'école a été récemment licenciée justement parce qu'elle a refusé de mettre en place ses cours de l'éducation patriotique à l'école ou d'afficher le symbole fasciste Z devant l'école. Mais elle a répondu qu'elle était prête à rester affamée plutôt que de se vendre à cette propagande.
Pardon, je parle en russie. Дарья, добрый день. Я очень рада, что ты приехала сюда. Я читала вашу книгу, когда она еще вышла в России. Я читала ее на русском. Вот. И спасибо вам за нее огромное. Я почувствовала все, весь спектр эмоций ее от ее прочтения, начиная от того, как это релейтится к мне как молодой девушке, и до того, насколько это выгнало меня в депрессивный эпизод. Я надеюсь, это... Это тот эффект, который, возможно, вы хотели оказать. Мой вопрос... Je résume rapidement. Elle remercie très, très profondément Daria, qui l'a beaucoup aidée dans ses... Enfin, les lectures l'ont beaucoup aidée à surmonter sa dépression. Donc, maintenant, la question. Вопрос, наверное, скорее тебе, как участница антивоенного, феминистского антивоенного движения. Сейчас появляется очень много новостей про то, что жены мобилизованных военных пытаются устроить митинги против того, как с ними обращаются, против того, как их не возвращают на родину. Как ты думаешь, насколько это может стать какой-то силой, которая может что-то сделать, или это тоже как бы какая-то искра, которая очень быстро потухнет, и ее просто ну, погасит репрессии? Nous avons des informations ces derniers temps sur les femmes démobilisées qui deviennent une force actuellement dans la société. Est-ce que, à ton avis, ça va rester une étincelle qui va pouvoir devenir une véritable force ou ça va s'éteindre aussi vite que ça s'est allumé? Это на самом деле не первая волна таких протестов. Alors, ce n'est pas la première vague. La première vague de ces manifestations s'est déroulée il y a 6 mois. Et là, maintenant, c'est une nouvelle vague. Donc, et nous efforçons à aider comme on peut ces femmes-là. И тут нужно понимать, но это вот я для всех скажу, что среди вот donc, этих женщин parmi ces femmes, nous avons celles qui veulent le retrait des troupes de l'Ukraine et l'arrêt de la guerre. Так и те, которые за войну, просто они хотят, чтобы вернули их мужей и их сыновей. Celles qui souhaitent que la guerre continue, mais ils souhaitent faire revenir leurs membres de famille. Чтобы ответить на твой вопрос, наверное, нужно... И pour te répondre, il faudra aussi prendre en compte l'expérience de plusieurs guerres qui se sont déroulées auparavant. C'est pas la première fois que la Russie occupe le territoire d'un autre pays. И здесь нужно вспомнить, par exemple, se souvenir de l'expérience de la guerre contre la Tchétchénie. И когда шли две чеченские войны, одной из самых вот больших антивоенных pendant сил, les deux guerres chéchennes, женщины, il y a eu donc une grande force des mères des soldats qui combattaient en Tchétchénie s'opposaient à la guerre. И они сделали очень много для того, чтобы документировать ils ont vraiment effectué un très grand travail. Par exemple, ils ont obtenu que tous les crimes de guerre soient documentés. Et aussi, il faut parler des organisations féministes, des organisations de femmes. И с одной стороны, можно сказать, что et il faut dire que avec une dictature aussi forte, toute forme de protestation allait être réprimée. Ну, потому что власть не стесняется parce que les autorités ne dénigrent aucun moyen de s'opposer, y compris les meurtres. И поэтому даже, но даже mais même если si cette protestation va être rapidement réprimée, il y a aussi un effet de cumul, un effet à long terme. То есть его нельзя просто on peut pas l'enlever de la mémoire collective сейчас. Actuellement. То есть они ils continuent à envoyer dans l'air, dans l'espace leur narratif. Они меняют язык, ils changent la langue dont les gens se servent pour parler de la guerre. Они привлекают внимание, ils attirent l'attention sur la fatigue que provoque la guerre. И поэтому даже вот в этом как бы même dans cet espace sans air, ils permettent de modifier le discours, comme toute initiative le fait. Просто, к сожалению, dans les circonstances où l'État a la monopolie de tout, il est très difficile d'imaginer combien de temps il va falloir pour le mettre en place. Но я думаю, будет прям много волн, и каждая следующая волна вот такого протеста женского, et je pense она que будет все сильнее и сильнее. Il y aura de plus en plus de ces vagues de manifestations féminines, et à chaque fois, вот elles vont être de plus en plus fortes, parce que, comme je disais en début de cette rencontre, la dictature défait les liens de cause à effet. Mais avec ces vagues de protestation, ces liens commencent à se reconstruire. Ну и еще тут важно, что эти протесты будут точнее, акторы этих протестов, ну вот женщины, важно сделать так, et чтобы ce qui est très important aussi, c'est que ces mêmes personnes qui sont maintenant en tête de ces manifestations et de ces protestations, qu'ils se retrouvent après dans les tribunaux pour qu'eux-mêmes, ils puissent juger des actes après-guerre et pas d'autres personnes, pas d'autres hommes qui vont venir les remplacer.
On va s'arrêter là. Je vous remercie toutes et tous. Merci à Olga qui a vraiment assuré une formidable traduction. Merci au Musée de la Résistance qui nous a fait l'amitié de rapporter le Kakouachnik. Merci aussi à l'éditeur qui est là. Daria maintenant peut bien sûr dédicacer ses livres et on va faire circuler. Il y a la petite boîte pour la collecte des prisonniers politiques de Tioumen qui sera donc, vous l'avez compris, clandestinement dirigée vers la Russie. Merci beaucoup à tous. Vous venez d'écouter une rencontre avec Daria Serenko, écrivaine, activiste féministe anti-Poutine et anti-guerre, invitée à la librairie Ombre Blanche lundi 20 novembre 2023, autour de la parution de son livre « Les filles et les institutions », édition sans pis date, traduit en français par Sylvia Chassin. Le débat était animé par Natacha Laurent, traduit par Olga Kataeva. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Груз 200, об этом не скажут вечерние вести. Закончил школу, бери автомат. До 15, знать военный плакат. Русский корабль, иди нахуй. Танк в болоте, будущее на плахе. Культ победы, как основа основ. Кокаин депутатский с прахом дедов. Серости, садизма, лубянский микс. А для тех, кто пиздит, лаборатория X. Запад 10 лет поставляет ему оружие. И мим Российской Федерации. Нищета, убийства, приговоры, санкции. Инакомыслие. Независимое мнение. Откуда-то Беларусь готовилась нападение. Грохнут не беда, отвалят бабла. Для кого война, а для нас мать родна. Все, дочка, мама любит тебя, пока. Красные ногти в земле, рука. Здесь без креста чудовищная весна решила настать. Измененная ненужная конституция. Нам пора совершить революцию. Пусть Москва горит, мир на крови. Это не смыть, нечем крыть. Да хуя земли, но забрали Крым. Прости, хотя это не простить. Мама, я плену, не смотри. Я тебя люблю.